quand une femme vous aime, c'est « Allô, bonjour, comment ça va? Je suis avec mon... » Quand une femme te quitte, c'est-à-dire qu'elle t'avait déjà quitté il y a 3 mois, elle ne te quitte pas le jour où elle t'a quitté. Alors bonjour à tous les amis, Zach Mwekasa, fondateur de Mwekasa. Merci infiniment de faire partie de notre communauté, c'est toujours un réel plaisir. Merci à tout le monde, merci à ceux qui nous suivent depuis longtemps, vous êtes très appréciés, vous le savez. Merci à tous les nouveaux, votre première fois avec nous, enchanté. J'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous n'en sortirez pas bredouille. Aujourd'hui est un jour très intéressant, on va parler d'un sujet très intéressant. On a reçu beaucoup de messages venant de beaucoup de personnes. Il y a un message répétitif, un message qui revient très souvent. Les gens veulent savoir sur l'infidélité. Beaucoup de jeunes hommes voulaient savoir quelles sont les raisons pour lesquelles les femmes deviennent infidèles ou comment repérer une femme infidèle. Généralement, comme j'aime le dire très généralement, les femmes n'aiment pas toutes pour les mêmes raisons. Autant il y a des femmes qui aiment les hommes pour des vraies raisons, des vraies raisons réelles, des raisons initiales, c'est-à-dire les raisons véritables pour lesquelles une femme est censée aimer son homme. Autant il y a des femmes qui sont là pour des raisons très malicieuses. Beaucoup de femmes sont hypergames. Et pour ceux qui savent ou pour ceux qui ne savent pas, l'hypergamie, c'est quand, à supposer que nous sommes des chiffres, nous sommes représentés par des chiffres. Il y a des hommes 1, des hommes 2, des hommes 3, des hommes 4, des hommes 6, des hommes 7, des hommes 9, des hommes 10. Il y a aussi des femmes 1, des femmes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 10 étant un homme accompli, beau, intelligent, un homme qui a tant de choses à faire, autant pour la femme. La plupart des femmes, par exemple, une femme 4, généralement, veut d'un homme d'un niveau élevé. C'est-à-dire une femme 4 voudrait bien avoir un homme 8, ou un homme 9, ou un homme 10. C'est ça l'hypergamie. Une femme 5, autant voudrait d'un homme 9, un homme 8. Généralement, beaucoup de femmes cherchent un homme plus élevé en société, plus établi, stable, financièrement assis, pour s'épargner de l'inquiétude. C'est clair, parce que même la lionne, généralement, veut un homme fort, c'est-à-dire un lion fort. La lionne fait des enfants avec le lion le plus fort. La lionne veut une progéniture venant d'un lion fort. Voilà pourquoi les lions se battent pour avoir droit à la femelle. Et les femelles sont neutres. La femme aussi a cet instinct animal de vouloir l'homme le plus fort. L'homme le plus fort, c'est pas nécessairement l'homme le plus fort physiquement. La force du lion chez l'homme, c'est la facilité financière, la liberté de vivre, de ne pas travailler comme un esclave pour quelqu'un. La majorité des femmes veulent un homme avec lequel elles peuvent être libres, c'est-à-dire rester à la maison, si elle aime rester à la maison, un business personnel, si elle est entreprenante, avoir une certaine liberté, voyager en business class, first class. Nous ne sommes pas en train de condamner ça, c'est une réalité qu'il faut accepter. Premièrement, l'hypergamie est basée sur le fait que les femmes veulent d'un homme plus élevé, un homme bien établi, un homme socialement bien assis. On veut d'un homme qui est mieux que soi. D'ailleurs, vous l'avez déjà entendu dire dans vos quartiers, épouse un monsieur qui va améliorer ta vie, n'est-ce pas? On le dit très souvent. Épouse un monsieur qui va améliorer ta vie. Triste réalité est celle-ci. Rarement vous ne verrez de femmes qui veulent d'un homme d'un niveau plus bas. Et il ne faut pas se fâcher contre moi, c'est la triste réalité, vous le savez. En parlant d'hypergamie, ça sera notre sujet d'une prochaine occasion. C'était simplement pour essayer d'élaborer, pour faire comprendre aux gens comment est-ce que ça fonctionne. Et quand une femme n'aime pas pour la bonne raison, on peut très facilement le repérer. Si elle est venue dans votre vie quand tout marchait bien, l'argent coulait à flot, la vie paraissait bien, vous rouliez dans une superbe voiture, et que soudain, tout ça part en fumée. Vous perdez votre boulot, vous perdez votre situation, vous n'avez peut-être plus les mêmes conditions. C'est évident, l'amour n'a jamais existé. Puisque l'amour n'a jamais existé, elle se rend compte que les raisons pour lesquelles elle est venue dans votre vie ne sont plus là. Et d'ailleurs, certaines femmes viennent dans votre vie sans vraiment réaliser qu'elles ne sont pas attirées par vous, elles sont par contre attirées par ce que vous offrez dans leur vie. Je répète, certaines femmes viennent dans votre vie ne réalisant pas qu'elles ne sont pas attirées par vous, mais qu'elles sont attirées par ce que vous offrez. Les premiers signes à regarder pour réaliser que votre copine, votre fiancée vous trompe, c'est son attitude. Quand elle perd l'intérêt à tout ce que vous lui racontez, si elle était du genre, chérie, on fait ci, chérie, on fait ça. Elle n'est peut-être plus ce genre-là. Tout ce que vous apportez comme idée est torpillé. Elle montre un désintérêt évident. Ce n'est pas ce que je veux. Non, pas maintenant. Je suis fatigué. Il y a peut-être une raison évidente. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'elle vous trompe. Ça veut peut-être dire qu'elle est en train de réfléchir. La deuxième raison serait, deuxième signe à regarder, à observer, vous l'appelez au téléphone, elle ne répond pas. Ou elle ne répond plus comme elle répondait avant. Avant, c'était du tic au tac. Vous envoyez un message, salut. Comment tu vas? Directement, immédiatement, avec des fleurs. Mais maintenant, il faut attendre pendant 15 minutes, 30 minutes pour avoir des réponses. Quelquefois, vous appelez, le téléphone sonne, elle ne répond pas. Ou quelquefois, vous appelez, elle vous dit « Je suis occupé, est-ce que je pourrais te rappeler plus tard ?»« Écoute, il y a mon oncle qui est là, est-ce que je pourrais te rappeler plus tard ?»« Écoute, je suis avec mon professeur, est-ce que je pourrais te rappeler plus tard ?» Il y a peut-être des raisons pour lesquelles il faudrait s'inquiéter. Si elle a toujours son téléphone, en mode silence, toujours en mode silence, sans aucune raison, c'est-à-dire le téléphone ne sonne jamais, et quand le téléphone sonne, elle ne discute jamais devant vous, c'est une raison de commencer à s'inquiéter. Il y a de fortes chances qu'elles sont en train de vous tromper. Si son téléphone sonne et qu'elle prend le téléphone, 3. Elle fait allô? Oui, allô? Oui. Oui. Ah, ok. Ok. Je sais pas. D'accord. Je peux te rappeler plus tard.
Rien de précis, rien de concret. Vous n'avez absolument rien compris. Mais là, une communication devant vous. Il y a une raison pour laquelle il faudrait commencer à s'inquiéter. Je ne suis pas en train de dire qu'elle est nécessairement en train de vous tromper. Je vous dis qu'il y a des signes précurseurs, des signes annonciateurs qui vous montrent clairement qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quand une femme vous aime, c'est « Allô, bonjour, comment ça va? Je suis avec mon... » Quand ce n'est pas clair, quand elle ne dit pas où elle est, quand elle tu ne comprends pas à qui elle parle. Il faudrait comprendre ici que généralement, les femmes ne commencent pas à tromper immédiatement. C'est-à-dire, elles ne te quittent pas directement pour commencer avec quelqu'un d'autre. Quand une femme te quitte, c'est-à-dire qu'elle t'avait déjà quitté il y a 3 mois, elle ne te quitte pas le jour où elle t'a quitté. Elle a déjà eu le temps de méticuleusement réfléchir, de penser et de te rejeter de son cœur. Les femmes sont différentes des hommes. Une femme peut rester avec toi, mais elle t'a déjà quitté depuis longtemps. Elle est peut-être restée pour d'autres raisons, pour certaines facilités. Elle est peut-être restée parce qu'elle ne veut pas te brusquer. Elle est peut-être restée parce qu'elle est en train d'améliorer son plan, de bonifier, de lustrer son plan de sortie. Les femmes font ce qu'on appelle le monkey branching. Ça sera un sujet d'une autre occasion. Le monkey branching, c'est comme... Le monkey, ça veut dire le singe. Branching, ça veut dire changer d'étape. Monkey branching, ça veut dire le singe en train de changer d'étape. Donc, pour qu'une femme te quitte, c'est-à-dire qu'elle a déjà attrapé quelque chose d'ailleurs, et généralement de meilleur que vous, dans l'hypergamie. Donc, elle a peut-être trouvé quelqu'un qui vaut mieux que vous, alors elle est partie. Rarement une femme part, quitte un homme 8 pour aller se mettre avec un homme 4. Rarement une femme quitte un homme de niveau 8 pour se mettre avec un homme de niveau 4. Elle veut généralement soit un homme de 8 ou un homme de 9, si elle ne peut pas en avoir de 10. Une autre chose très intéressante sur laquelle il faudrait vraiment tirer attention, c'est son habillement. Comment a-t-elle toujours été envers vous? Si vous faites face à une femme, excusez-moi, qui n'a pas toujours été coquette, mais subitement devient très coquette. Alors, il faudrait commencer à se poser des questions. Elle a des sous-vêtements nouveaux. Ça ne veut pas dire qu'elle est en train de... Pas dans tous les cas, en tout cas. Mais si ce n'est pas de son genre, elle commence subitement à être sortante, c'est-à-dire elle a des rendez-vous, je dois aller voir un ami, elle a changé d'habit, elle a changé ses sous-vêtements. Il faut commencer à se poser des questions. Elle prend soin d'elle, elle ne fait jamais ses ongles, mais soudain, elle le fait chaque 2 jours. Ses cheveux ont changé. Vous regardez, vous remarquez un comportement complètement différent de ce qu'elle a toujours été. C'est une raison de commencer à s'inquiéter. Vous faites face à une femme qui, sur le plan intime, commence à vous rejeter. C'est une raison de commencer à s'inquiéter. Elle est peut-être en train de vous tromper, peut-être. L'instinct principal, quand la femme donne son cœur à quelqu'un d'autre, c'est de vous rejeter sur le plan intime. Beaucoup d'hommes peuvent le faire, hein, peuvent jouer à 2 navires à la fois. La plupart de femmes ne peuvent pas. C'est vrai qu'il y a des femmes hybrides qui le font. La plupart des femmes, quand elles donnent son cœur à quelqu'un d'autre, elles commencent à vous repousser. Même si vous êtes marié, c'est une raison de commencer véritablement à s'inquiéter. Quand votre femme ne veut pas que vous vous approchiez de son téléphone, elle a des choses à cacher, apparemment, elle est toujours là en train de faire. Vous lui demandez qu'est-ce qui se passe. Non, rien, c'est juste. Ça pourrait être n'importe quoi, mais c'est une raison de commencer à s'inquiéter. Encore une fois, il n'y a pas de technique universelle dans tout ça, mais il y a des signes précurseurs, des signes qui ne trompent jamais. Et il faut faire attention à ces signes. Merci infiniment les amis, j'espère qu'on a appris quelque chose aujourd'hui. C'est toujours un réel plaisir d'échanger avec vous. C'est une première partie, il y en aura une seconde. On espère avoir répondu aux questions des personnes intéressées. La seconde partie reviendra, faites-nous savoir si vous la désirez, on la fera très vite. J'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Mon nom est Zach Mwekasa. Le guerrier noir. Votre frère. Comment ils jouent?